Bonjour. Bonjour. Emma, j'ai un boulot pour vous. Attendez, vous êtes qui? À l'enterrement hier. C'est ma tante qui a lu votre texte. J'aurais dû, mais je l'ai pas fait. C'est bizarre d'écrire des oraisons funèbres. Enfin, je veux dire, comme métier. Bizarre, je sais pas, c'est mon métier. Mon mari est mort il y a un an, j'aimerais que vous écriviez sur lui. Voilà, c'est lui, c'est Nathan. Aïe, elle est pas mal. Oui, alors? Toi, t'es tout maigre. Mais arrête avec ça, je suis maigre. Mon fils va avoir 8 ans et je voudrais lui offrir quelque chose de spécial. Tu veux venir à mon anniversaire demain? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Il viendra. Tu lui donnes et tu lui dis que c'est un jouet magique. Genre? Si tu fais 3 vœux, ils seront exaucés. Ma maman, elle a plein d'amoureux, mais toi, t'es mieux. Alors d'abord, tu bosses pour elle. Et puis, tu couches avec elle. Chouette. Mort, mort. Sur les photos, il y a qu'un bout, t'es mort. Aïe! Ça fait ça, les morts! J'ai une femme, des enfants. Oh, elle est belle. Et sublime, tu veux dire, elle est sainte. Tu crois qu'il va bien te lécher? 99,9% de chance. C'est beaucoup. Celui qui est mort vient pour écrire certaines choses, faire passer un message. Ferme la porte.